Hi, I'm Dr. Megan Wilkerson, a passionate STEM advocate, scientist, and mentor with a dual title doctorate in entomology and international agriculture and development. I spent 3 years working alongside small farmers in developing countries like Lebanon, Burkina Faso, and Ghana to reduce insect-related crop decline. Now, as a chief scientist in our nation's capital, I write environmental regulations, facilitate outreach, and train government specialists to ensure the safety of residents and wildlife. Outreach and environmental advocacy are the most inspiring parts of my work. I'm dedicated to mentoring future generations of scholars, ensuring they become responsible stewards of our natural resources. My leadership style is rooted in the principle, you have to see it to be it. I believe in leading by example and actively working to dismantle barriers that hinder minorities in STEM. By building a supportive network, staying grounded in my purpose, and practicing self-compassion and authenticity, I overcome obstacles and thrive in my career as a scientist and STEM advocate. Supporting women as catalysts of change involves highlighting diverse voices, experiences, and providing funding opportunities and mentorship, and fostering a culture of encouragement and self-acceptance for individual uniqueness and unconventional qualities. Together, we can empower women to drive positive change and create a more inclusive future for all. Thank you. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on April 9th. Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in Science seminar series. There is interpretation available in Spanish, French, and Hindi. To access the interpretation, you choose the language of your preference by clicking. Vous pouvez nous écouter en espagnol, en français. Pour avoir accès à l'interprétation, vous touchez l'icône du globe terrestre et vous trouverez là l'option. Donc, Catalyst sur l'écran, vous pouvez voir le code QR qui vous donnera accès au Slido pour y monter, pour inscrire vos questions et vos commentaires, ce qui nous écouteront lors de la séance des questions et de réponses. Aujourd'hui, nous écouterons la docteure Megan Wilkerson et tout de suite, immédiatement après votre intervention, nous aurons une conversation avec la docteure Rana Wilsholby. Maintenant, je vais vous présenter le Dr. Bimes Cover, directeur général de CIMIT, pour vous assurer, pour procéder à l'ouverture, à l'inauguration officielle de cette manifestation. Il transforme. Dr. Bimes, vous êtes Megan, merci, mais quel plaisir de vous voir encore aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes celles et ceux, encore une fois, bienvenue à la série de catalysatrices du changement, les femmes et les leaders avec le leadership en matière scientifique. Donc, nous pouvons croire. Nous ne pouvons pas croire quelque chose si nous ne le voyons pas. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons centré notre série de conversations au genre d'atelier de travail. Donc, nous sommes convaincus que les femmes qui exercent le leadership dans des institutions scientifiques comme les nôtres peuvent présenter leur succès dans leur carrière et tous les éléments qui font partie de cette initiative. Nous avons des femmes de tout genre avec toutes les formations possibles et impossibles dans leur région, leurs organisations, parce que nous croyons que les styles de leadership peuvent prendre plusieurs formes différentes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Megan Wilkerson, qui est la 17e femme que nous vous présentons dans la série des catalysatrices pour le changement. Elle travaille au département de l'énergie et de l'environnement du gouvernement fédéral des États-Unis et elle
Elle spécialise en agriculture internationale, évaluation stratégique et le design et l'évaluation de programmes. Elle travaille avec les jeunes, en compagnie de jeunes, dans des organisations gouvernementales et elle fait partie de programmes agricoles pour proposer des trajectoires analytiques pour l'évaluation des coûts-bénéfices afin d'obtenir, de pouvoir améliorer significativement les programmes existants. Elle a travaillé en Côte d'Ivoire, au Liban et au Ghana. Elle travaille également en étroite collaboration avec les petits fermiers et les agences donatrices pour moderniser le développement de capacités internationales. Elle propose un accompagnement individuel et un mentorat afin de favoriser la réussite des universitaires dans leur parcours académique. Elle est également passionnée par le fait d'être un modèle pour les enfants qui aiment la science. Elle est créatrice de Besseys, un livre, un cahier de colorier à colorier. Où vous le trouvez, le trouverez sur Amazon si vous l'achetez. Peut-être pourrez-vous le colorer en compagnie de vos enfants. Vous apprendrez énormément aujourd'hui de cette expérience. Et sans plus, je vous donne la parole. Donc, bienvenue, Megan. Bienvenue, le docteur Brahms. Quel plaisir aux deux organisations et pour de m'avoir envoyé ce courriel. Lorsqu'il m'est arrivé, j'ai dû vérifier deux fois qu'on ne s'était pas trompé parce qu'il me fait très énormément plaisir qu'on me place au même niveau d'autres autres femmes que vous avez présentées précédemment. Donc, je veux parler de six questions aujourd'hui. Je parlerai de comment je suis devenue scientifique, les défis à relever, les leçons apprises, quels ont été mes mentorats et que finalement, ce que signifie avancer dans ma carrière professionnelle. Merci aux assistants. Comment suis-je devenue scientifique? J'ai toujours été une personne qui est passionnée, qui avec une curiosité naturelle. Donc, depuis le cours primaire, mon institutrice a éveillé chez moi tout cet intérêt. Elle nous a mis à l'accès. Nous a donné accès à tout. Nous étions immergés dans son bain de savoir. Elle nous a fait prendre conscience des milieux avec le soleil. Elle nous aidait à faire avancer nos connaissances dans cette matière. À l'université, j'ai pris un cours en génétique et elle a été comme une maîtresse, une femme qui m'a fait sembler que la science et que nous pouvions l'aborder avec la confiance dont elle nous a inspirés. Donc, c'est avec cette vision, c'est la première fois que je me suis imaginée en train de recevoir un doctorat. Donc, je suis allée étudier en Afrique du Sud et j'ai entré dans le domaine de l'agriculture internationale. Voilà les sciences qui ont monté le puzzle qui est ma trajectoire personnelle. Au Ghana, j'ai participé dans la culture de cacao et les agriculteurs basent 70% de leur production avec des petits fermiers et tout mon travail. Maintenant, la technologie, en fait, si j'ai eu de travailler sur des problèmes de configuration que tout le monde en a, tout le monde m'a aidé. Donc, j'adore prendre des risques. J'aime la réussite, bien sûr, et vaincre et renverser des obstacles. Donc, ma trajectoire, l'émotion qui a guidé ma trajectoire était le doute. Donc, même si j'ai reçu ce courrier électronique où l'on m'invitait à cette
suite à cet entretien, je me dis, mon Dieu, mais je vais me tromper. Mais je crois quand même que je peux quand même contribuer avec les obstacles. Le troisième obstacle que j'ai dû renverser est remettre tout à plus tard. Nous pensons toujours au lendemain. Donc, je fais un effort tout spécial pour vivre dans le présent et finalement me combiner avec les autres. Ceci est un autre obstacle que j'ai dû renverser. Je parle des femmes scientifiques qui ont le plus grand nombre de reconnaissances et de réussites. J'ai dû me retrouver moi-même pour pouvoir me comparer avec moi-même et non pas avec d'autres. Donc, dans les domaines de la science et l'agriculture, est un domaine dominé par les hommes. Et parfois, il faut me battre avec mon authenticité, me montrer tel que comme je suis, prendre les risques qui sont pertinents, parce que j'ai l'impression que de ne pas trouver ma place dans ce milieu. En tant que scientifique, je veux m'assurer de pouvoir arriver tel que comme je suis. Ceci est difficile pour moi parce que, vous savez, parfois, je me dis, je dois agir comme ci, comme ça, et procéder de telle ou telle façon. Et ceci m'a posé d'énormes obstacles et c'est un défi que je relève quotidiennement. Donc, quelles sont les leçons apprises? Eh bien, voilà, la validation n'est pas un travail externe. Personne d'autre que moi ne peut apprécier mon travail parce que si tu ne penses qu'aux opinions des autres, alors tu vas t'effondrer rapidement. Donc, l'impact est quelque chose de très important. Donc cette capacité de pouvoir mettre en pratique nos passions et voilà ce qui a un plus grand impact. Donc, si je démontre aux prochaines générations d'académiciennes que la discipline, je leur fais voir comment elles peuvent poursuivre une carrière, leur carrière professionnelle, pour identifier dans d'autres. Donc, de cette façon, voilà comment j'ai pu obtenir des personnes appropriées. Donc, toutes les personnes, nous pouvons tous apporter quelque chose. Et moi, vous savez, j'ai reçu une communauté j'ai appris à être une personne, ma communauté et ma mère. Elle m'a donné un soutien si constant. Elle a été à mes côtés en tout moment. Voilà la définition personnifiée de l'amour sans condition. Elle me disait, fais tout ce que tu voudras. Tout ce qu'elle me dit est une mine d'or pour moi. Elle est ma semence, mon inspiration. Et j'ai aussi une associée exécutive. Il y a 3 ans, je ne savais même pas ce qu'était la question d'administratif. Bon, Emily Barge est ma coach et ma directrice. Elle a d'un côté un exemple et de l'autre les ressources. Elle me montre la façon dont je peux améliorer les ressources retrouver des solutions. Donc, elle est le prototype du leadership, une source d'inspiration pour moi. Elle me recommande des opportunités, elle fait pression sur moi, il faut le dire. Elle est pour moi une source quotidienne de motivation. Et lorsque j'ai un blocage d'idées, elle me donne un coup de main, elle m'aide à surmonter les obstacles, elle m'aide à adopter les perspectives qui sont les appropriées pour renverser les obstacles qui s'opposent à mes agissements. Et pour ce qui est de l'ambassadrice des États-Unis en sécurité alimentaire. Donc, j'ai suivi son exemple parce que, heureusement, tous les programmes qu'elle a dirigés, je me tiens au courant. Lydia est une personne merveilleuse. Elle est pour moi une source d'inspiration pour générer les changements nécessaires parce que
lorsqu'elle m'indique comment intervenir au moment précis de le faire. Je remercie le mentorat de M. Jackson et des autres et toutes les personnes de qui j'obtiens un mentorat constant. Et ils m'ont dit d'une façon dont je n'aurais jamais imaginé. Ma mère est une fondatrice constante. Elle a exercé un leadership profond dans mon existence. Elle m'a démontré que je suis capable des rêves plus élevés. Le mot existe. Et impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Donc, ce qui est plus important pour moi est de rendre le respect dont j'ai fait l'objet. Et il me fait plaisir de croire que certaines personnes font l'objet de reconnaissance, mais une mesure correcte et l'impact à exercer. Je crois que ma vie soit plus positive et qu'elle génère un impact plus profond. Voilà pourquoi j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Voilà pourquoi j'ai produit ce livre à colorier. En tant que scientifique, un grand nombre de scientifiques sont très bons pour travailler des projets de laboratoire, mais nous devons être capables de gérer la science de telle façon qu'elle soit digestible, pour ainsi dire, et qu'on puisse inviter à nos collègues de travailler sur ce projet, parce que ce livre à colorier, cette cahier à colorier s'est vendu sur Amazon, on a vendu en Australie et en Allemagne, et j'apprécie énormément cet essor. Donc, je suis allée dans des écoles primaires pour donner des conversations sur la science j'ai reçu des lettres que je lis pour me rappeler moi-même pour la raison d'être de toutes mes actions. Lorsque nous sommes dans un moyen où nous sommes dans un moment où nous ne savons pas vraiment où se diriger, il faut rechercher nos racines véritables. Et lorsque j'ai lu les lettres que m'envoient les petits-enfants du cours primaire qui me disent « Je veux être scientifique comme vous. Je veux être anthropologue pareil comme toi. » Et même si tu sens que... Mais est-ce que tu as peur d'entreprendre les choses? Il faut le faire de toute façon. Voilà ce qui a fait en sorte que je devienne ce qui je suis aujourd'hui. Et ma famille avait un négoce funéraire au sud des États-Unis. Donc j'étais comme le mouton noir de la famille, parce que je ne m'intéressais pas vraiment à ces négoces de la famille. Maintenant, je ne sais pas si j'ai parlé pendant 15 minutes, mais les limitations de temps me permettent de parler plus longtemps de mon parcours. Et en tant que scientifique, il est important d'avoir les personnes appropriées, s'entourer des personnes appropriées pour avoir une influence significative et avoir un parcours de vie positif. Voilà que s'il m'a donné toutes les récompenses que j'ai reçues dans cette trajectoire sont tout simplement qu'elles s'adaptent à moi. Ce n'est peut-être pas la trajectoire la plus appropriée pour bien d'autres, mais de toute façon, vous considérez-vous à vous votre perspective avec les pieds sur terre. Soyez honnête. Et moi, je soutiens mon expérience et je la présente d'une façon qui a été pour moi une source d'inspiration. Mais c'est formidable. Nous avons encore 5 minutes. Si tu as encore quelque chose à nous dire, nous t'écoutons. Tu es une énergie énorme qui émane de toi. Si tu as quelque chose à dire, eh bien voilà, je suis entomologiste. Donc, l'entomologie, lorsque j'étais à l'université, a été pour tout simplement par hasard, parce qu'au départ, au début, je voulais devenir médecin, je voulais spécialiser en gynécologie, parce que j'aime les enfants. Mais lorsque j'ai appris de quoi consistait la gynécologie, j'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Mais tout simplement, tout par hasard, j'ai pris un cours d'entomologie. J'ai adoré la matière et j'ai dit, je dois
poursuivre ma voie sur ce, dans cette direction. Donc, pouvoir trouver la meilleure version de soi et s'y adonner à 100% m'ont ouvert la porte vers la maîtrise et je suis de là, j'ai passé au doctorat et j'ai pu me présenter face à tous les autres. J'ai eu l'occasion d'étudier le doctorat. Lorsque j'étais à l'université, j'ai étudié dans divers pays et je suis très reconnaissante de toutes ces expériences. Lorsque j'ai travaillé pour la première fois est une expérience que je n'oublierai jamais. En tant que scientifique, la plus grande part de ma vie a consisté à apprendre. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de travailler avec les petits producteurs et mettre en pratique tout ce que j'avais appris et acquis au cours de ma carrière, au Ghana, les produits gagnent très peu. Et donc, je leur ai fait connaître les maladies générées par le biais d'insectes et en travaillant avec les enfants. Voilà quelque chose à laquelle je suis engagée à 100%. Et finalement, l'usage de la technologie, j'ai introduit sur les réseaux sociaux une plateforme pour faire connaître le mentorat et le tutorat pour les étudiants. Et ceci, de cette façon, j'ai pu faire connaître ma trajectoire, les obstacles rencontrés et finalement obtenir de l'aide financière. Donc, je suis si reconnaissante de pouvoir me trouver parmi d'entre vous. J'adore les insectes, l'environnement. J'ai travaillé avec les producteurs agricoles et très souvent avec les enfants. Et donc, voilà, il faut une armée d'agriculteurs pour produire la nourriture dont ont besoin les communautés. La culture du cacao, la plupart des agriculteurs sont des femmes. Et je leur explique comment cultiver les tomates, les autres légumes, et je leur fais connaître l'effet qu'ont les insectes dans le cadre de l'écosystème. Les enfants apprennent, et c'est quelque chose de formidable de faire partie de tout ça, en conservant les pieds sur terre, en m'occupant des tutorats et des bourses qui sont allouées. Donc, tout ceci me menait ici. Voilà pourquoi je me trouve aujourd'hui parmi vous à vous raconter mon expérience. Merci, Dr. Wilkerson, de nous avoir fait partager votre traversée, pour ainsi dire, d'une façon qui est source d'inspiration pour tous. Je m'appelle Rana Kichungi. Une raison pour laquelle j'ai voulu vous faire interviewer était en raison de votre passion, la passion pour l'étude des insectes et aussi les travaux déployés avec les petits producteurs dans les pays en voie de développement. Voilà une source d'inspiration. Comment vous êtes-vous devenue tuteur, tutrice de la jeunesse par le biais des réseaux sociaux? Donc, c'est un plaisir énorme pour moi de vous interviewer. Et je voulais vous demander la première question est, quelle est l'orientation donneriez-vous aux femmes scientifiques pour qu'elles deviennent plus incisives quant à leur travail, qu'elles sachent nous le faire connaître et faire connaître les stéréotypes de la science? Comment vaincre ces stéréotypes? Tout d'abord, la première question que vous m'aviez posée, la première, voilà, pour répondre à votre première question. Pour orienter les femmes pour que d'être plus affirmatrices dans leur génération, dans leur travail. Je n'ai jamais eu de problème. La vocalité n'a pas été mon problème. Mon problème était plutôt de rester muette, parce qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas parler, perdre l'occasion de parler et perdre une occasion. Donc, nous devons trouver
une personne, chaque fois que nous sommes en compagnie d'une personne et que nous décidons de nous taire, nous perdons l'opportunité d'apprendre. Il s'agit tout simplement de pratiquer la communication, de nous reconnaître tels que nous sommes, en nous affirmant nous-mêmes en tant que dans le domaine où vous travaillez, les femmes doivent occuper ces espaces de l'énergie et elles devront devenir ceci. La communication sera des ailes qui nous occuperont, voler, occuper des espaces en scientifique. Voilà un bon point de départ. Il faut apprendre non si à taire les voix négatives qui nous aiment, que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Donc, le monde est rempli de défis. Il y a des noms partout où nous devons trouver le oui que nous cherchons. Écoutez cette voix interne qui tairont ces doutes, le syndrome. That I'm enough, that I belong, and I don't let any person or any obstacle stop me from achieving what I set out to do. Quelqu'un sera dans le chemin, a compris que j'ai atteint mes objectifs. Je vous remercie. How women face a feeling inadequate. Vous avez aussi parlé de comment on peut avoir entretenir ce sentiment de n'être pas approprié dans un domaine qui est dominé par les hommes. On a parlé du syndrome de l'imposteur. Une autre question est cette position de travailler en tant que authentiquement scientifique. Vous avez visité un grand nombre de pays. Donc, vous voyez une représentation proportionnelle des femmes dans la prise des décisions et aussi quelles sont les étapes à franchir pour donner un plus grand empowerment dans les femmes dans la science. Tout d'abord est la défense et ensuite l'action. Et le docteur à l'Université d'agriculture, on m'a invité à être membre du conseil d'administration. Alors là, nous pouvons décider comment les ressources sont distribuées dans les divers projets. Et aussi, c'est la défense. Et aussi, il faut savoir offrir des ressources, apprendre comment se défendre soi-même pour pouvoir participer, pour se limiter à des comités, des conseils d'administration, faire connaître le monde auquel nous appartenons, que nous avons là l'empowerment. La pendule se déplace très lentement. Donc, nous recherchons l'espace pour les femmes, mais le pendule se déplace très lentement. Les réseaux sociaux nous donnent une visibilité énorme. Nous ne savons jamais chez qui nous aurons généré notre impact, même lorsque nous changeons de trajectoire, lorsque nous observons un changement positif chez une seule personne. Ceci est encourageant parce que ceci commence par soi-même. Comment procéder quotidiennement? Comment changer le monde? Il faut tout d'abord changer personnellement, au niveau personnel, avant de changer le monde. Très bien. C'est une position de leadership. Comment arriver à une position de leadership? Eh bien, je suis scientifique qui est éduquée avec une éducation classique. Je travaille dans la capitale de mon pays, Washington, D.C. Donc, il y a un climat très politisé là-bas. Lorsque j'ai beaucoup de décisions à prendre, un grand nombre d'entre elles ont un profil strictement politique. D'un côté, j'ai mon engagement envers la science dans un environnement politisé, et j'ai le plaisir de travailler avec le gouvernement des districts. Mais il y a beaucoup de questions qui ne peuvent pas être considérées à cause de l'environnement
politique, éminemment politique. Je me trouve, j'écoute les autres, je veux que j'assiste à des réunions communautaires, je pose des questions, je pose des questionnaires. Mais lorsque nous conversons avec les personnes, ta trajectoire peut s'en voir profondément modifiée. C'est un défi énorme de travailler dans la réglementation distritale. Donc, sur les questions de l'environnement, donc, nous avons libéré Washington. Donc, nous avons des entreprises qui souhaitent donner un coup de main. Donc, il faut équilibrer tout cela pour favoriser l'environnement pour les personnes et pour les groupes d'intérêt en tant que scientifique pour travailler ici. Donc, voilà, il y a beaucoup à faire. Lorsque vous voyagez vers d'autres pays, les pays européens, vous avez occupé des postes à long terme. Comment naviguer donc alterner ces voyages en considérant que chaque pays, chaque endroit a ses propres défis et cultures, a relevé sa propre culture. Donc, j'accepte les cultures dans l'espace où je tente de mieux connaître la langue, les traditions et les coutumes. Lorsque j'étais au Ghana, j'ai appris la langue parce que je voulais me communiquer avec les agriculteurs. Je travaille avec les agriculteurs, avec les grands-papas, les grands-mamans, qui sont agriculteurs depuis plusieurs générations. Donc, dans ces contextes internationaux, j'assiste aux conférences et où je prends la parole, où je dois être la porte-parole experte. Je ne me présente pas en tant qu'experte, mais plutôt comme une personne normale. Donc, je suis là pour partager une idée. Donc, je vois des hommes qui sont assis en ma compagnie et ils me disent « je dois me souvenir, je me dois rappeler que je dois être patiente et reconnaître leur culture et savoir que je suis là et le plus longtemps que j'ai passé dans notre pays a été 3 ans. Donc, j'ai été pendant 1 an dans un internat de Norman Burlow. Et donc, c'était terrible pour ne m'ajuster. Je venais d'arriver des États-Unis et puis tout à coup, il y a eu le déclic et j'ai compris que je devais m'intégrer à la communauté, m'habiller comme eux, manger les mêmes choses que Hiro, au mariage, aux célébrations, à tout cela. Donc, il y a des zones, des domaines de la communauté qui sont devenus pour moi mon foyer. Donc, quelque chose de très important a été pour moi parce qu'aux États-Unis, nous avons Wi-Fi, nous avons d'autres groupes qui, lorsque nous étions là-bas au sein des communautés, nous ne disposions pas de ces ressources. Donc, j'ai appris encore plus depuis les gens où j'ai connu les bases de leur travail et de coexistence, connaître le travail réalisé par chacun des agriculteurs. Je me suis sentie très reconnaissante pour la réception que j'ai reçue. Et voyager à d'autres pays est l'une des choses qui m'ont appris à ouvrir les yeux dans ma carrière. Les gens qui ont le temps et les ressources nécessaires. Donc, j'ai été au Liban en tant que volontaire, bénévole. J'ai pris la façon d'apprendre de mon expérience à des organisations, de collaborer avec l'expérience est quelque chose de formidable. En Afrique occidentale a été la meilleure expérience de ma vie et que je ne changerai pour rien au monde. Donc, merci. Vous avez parlé également de comment vous tirez l'inspiration de différents mentorats et de votre mère.
Donc, quel conseil donneriez-vous aux femmes leaders en sciences, en leaders scientifiques, pour maintenir cet équilibre entre le travail et la vie personnelle, considérant la recherche, le domaine de la recherche? Ah, voilà une grosse question. Parce que si nous voulons observer les personnes qui réussissent cet équilibre entre le travail et la vie personnelle, je crois qu'il faut surtout avoir les pieds sur terre, conserver les pieds sur terre, avoir des mentors et comprendre les raisons pour lesquelles je suis ici, quel est le but que je poursuis, et une bonne équipe dans la gestion de l'énergie. J'ai une équipe magnifique qui travaille avec moi. Ils m'ont aidé à obtenir cet équilibre. J'ai appris, il m'a fait apprendre à déléguer des responsabilités. En arrivant, je voulais tout faire, m'occuper de tout. Donc, c'est comme si j'avais rempli, je voulais tout faire, encore une fois, mais je vous dis, j'ai dû apprendre à construire une bonne équipe, une équipe productive, et apprendre à déléguer des responsabilités. Voilà ça, les cimentations de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il faut savoir parfois dire non. Il y a 2 ans que je ne prends pas de vacances, et finalement, dans 2 semaines, je vais faire de la plongée sous-marine d'ici 2 semaines. Donc, il faut savoir un peu. Il faut parfois prendre des décisions et savoir se reposer. Vous allez à la thérapie, prenez des thérapies si vous avez besoin, défaites-vous de vos bagages de traumatisme. Et je crois que lorsque je me sens déprimée, je lis les lettres qui me sont envoyées par les jeunes qui sont à l'école, par les enfants qui m'ont écrit lorsque je suis allée faire des conversations à l'école. Mais il faut faire usage de grandes stratégies pour savoir dire non. Voilà ce qui est le plus utile. Et finalement, la dernière question que j'ai ici est: quel est les conseils que vous donneriez à CIMIT pour encourager le leadership des femmes en matière scientifique? Bon, tout d'abord, le mentorat, surtout pour la génération qui arrive, parce que nous allons vieillir, il nous faudra passer la bannière. Donc, il y en a qui disent « je veux mourir dans cela », mais en mourant, on emporte nos connaissances avec nous. Alors, il faut préparer la prochaine génération d'académiciens, leur faire connaître nos connaissances académiques pour que ces connaissances ne se perdent pas, et aussi l'esprit de collaboration. Il y a des personnes qui sont en compétition les unes avec les autres. Donc, il faut centrer sur la collaboration, avoir des bonnes politiques, converser avec les gens, écouter ce qu'ils ont à nous dire en matière de politique, diminuer la charge financière pour encourager l'éducation de diverses personnes pour qu'ils occupent ces espaces. La visibilité est excellente. CIMIT a fait un excellent travail dans cette direction. Et donc, j'ai été inspirée par les femmes leaders auxquelles ils ont laissé un espace. Donc, ils ont donné cet espace pour que les femmes partagent leur espace. C'est un espace sécuritaire pour la diversité. Nous vous remercions énormément de nous avoir fait connaître toutes ces choses qui sont si intéressantes, ces sources d'inspiration pour nous. Nous apprécions énormément Anna et la docteure Wilkerson de cette conversation. Maintenant, nous ouvrons la session des questions et des réponses. Vous pouvez lever la main numériquement ou vous servir de la boîte de clavardage ou encore vous servir du Slido pour poser vos questions. Donc, la première, je vous remercie de ton enthousiasme et de l'honnêteté dont tu as fait preuve. Quels sont les aspects de la science qu'il faut changer? Je crois qu'il faut changer un grand nombre de choses. Tout d'abord, toute l'information scientifique reste cachée et n'est
pas et qui n'ont pas divulgué. Donc, pour moi, l'information est importante. Il faut y donner l'accès à tout le monde parce qu'un grand nombre de scientifiques font des recherches et les recherches sont gardées. Et personne, ils ne sont pas fait connaître. Donc, il faut connaître. Un grand nombre de personnes n'ont pas accès à toutes ces ressources. Ceci pose un problème énorme. Les batailles, les agriculteurs ont beaucoup de batailles à livrer. Et tout ce que nous pratiquons au laboratoire reste dans les documents. Nous devons trouver la façon de faire parvenir aux agriculteurs tous les changements, toutes nos découvertes, toute cette nouvelle information. Donc, l'information qui est dans un tiroir ne sert à rien. Donc, bon, une question sur l'air. Merci, Nairobi Doctora. J'ai une question depuis le Nairobi à vous poser. Et vous parlez pour encourager la communication scientifique. Donc, conseillez-vous de promouvoir la communication scientifique pour et aussi pour tous ceux qui considèrent une considération qui considèrent tenir une carrière en entomologie. Merci de ta question. Quel plaisir que tu aies ouvert ta caméra. Ce que je recommande le plus est de tu es la seule version de toi-même qui existera sur la planète. Donc, Taylor Swift et Beyoncé sont authentiques. Cherche la façon de devenir ta propre championne pour contribuer dans tous les domaines d'une façon passionnée. Donc, la science doit être digestible, c'est accessible. Apprendre comment faire connaître ton message pour qu'un plus grand nombre d'individus le reçoivent. Moi, je parle avec un langage familier, non pas un langage scientifique, parce que quelqu'un qui n'est pas scientifique souhaite apprendre quelque chose rapidement. Donc, en science, la science doit avoir un sens pour la plupart des individus. Et parfois, je me trouve dans une situation où je dois me poser qu'est-ce qu'il me faisait il y a 2 ans ou il y a 5 ans. La science doit être quelque chose de simple, quelque chose d'amusant. Donc, faire connaître aux gens que nous sommes comme ça, les scientifiques, voilà comment nous sommes. Et vous savez, tous les gens ici, et pour travailler en entomologie, les insectes vivent sur tous les continents. Ici, j'ai un insecte, ce papillon. Si vous pouvez visiter mon site web, vous pourrez voir mes vidéos pour savoir comment je suis devenue scientifique, comment j'ai travaillé pour diverses institutions. Il y a tant de problèmes qui se poseront. Et comment résoudre les insectes apportent solution à toutes sortes de problèmes, comme ils sont de pollution et ils sont pollinisateurs, par exemple, parce que les repas, la nourriture qui se trouve dans nos plats sont grâce à un pollinisateur. Oui. Je n'entends plus. Recherche, il y a tout un domaine qui est là pour le travail, déployer les activités entomologues. Tu peux te communiquer en toute confiance. Si personne d'autre n'a une voix, ta voix devrait être suffisante pour obtenir de merveilleux résultats. Donc, merci. Nous avons un grand nombre de questions ici. Lorsque vous avez commencé votre carrière, vous êtes-vous imaginé que vous occuperiez un jour le poste que vous occupez? Quelles ont été les ressources dont vous avez les ressources préférées pour y parvenir? Lorsque j'ai commencé ma carrière, je suis entrée à l'université, je me suis dit, je continuerai toujours d'étudier
avant, je n'arrêterai pas d'étudier avant d'obtenir les diplômes qu'il me faut. Donc, j'étudie l'entomologie au niveau de la maîtrise, maîtrise en sciences, doctorat en agriculture internationale, doctorat en entomologie. Et je me suis aussi, je travaillerai pour le gouvernement, je vais gagner un salaire respectable. Et l'une des décisions les plus importantes pour moi a été de générer un pacte, si vous voulez. Donc, dans cette trajectoire, il y a eu bien des espaces à remplir, des obstacles à renverser. Donc, au lieu de me décourager, j'ai accouru à diverses organisations. Je me suis dit, je veux devenir championne pour la prochaine génération d'académiciennes et d'académiciens. Chaque fois que j'ai l'occasion d'occuper l'un de ces espaces, de générer un esprit de communauté, inspirer les nouvelles générations qui sont nécessaires, ceci est l'une des plus grandes opportunités dont j'ai tiré parti dans ma vie. Ici, nous avons Francisca, une question à nous poser. Thank you, Dr. Megan. So, merci, Dr. Lamé. Ma question est, dans votre carrière professionnelle, il y a des moments où vous avez douté de vos capacités en tant que scientifique. Avez-vous senti que ceci n'était pas suffisant? Comment avez-vous surmonté tout cela? Ça ne s'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, c'est un effort quotidien. Je pense à toutes les femmes qui gagnaient des prix et de reconnaissance. Et ceci me passe était trop pour moi. Donc, ensuite, je dois me souvenir de cette trajectoire ou celle où je me trouve. Et maintenant, il n'y a pas de coïncidence. Je dois me rappeler que je femme qui contribue dans le domaine, qu'il y a des personnes qui m'applaudissent lorsqu'il y a lieu de le faire. Et il y a parfois des endroits où je suis la seule femme noire, la seule personne du sud du pays, et après avoir eu cette attitude défiante, sans crainte, qui m'a permis de maintenir ma confiance en moi, je suis capable de reconnaître comment contribuer dans le domaine où je travaille. Il y a des soutiens importants qui sont ma famille, la communauté auxquelles j'ai constamment recours, et je trouve chez elle, je doute parfois, très souvent, de moi-même. C'est le symptôme de l'imposteur, mais je préfère vivre dans la crainte que dans le repentir. Je me souviens parfois je regrette de n'avoir pas fait certaines choses. Donc, je recommande à toutes celles et ceux qui devenir des joueurs de football, par exemple, je suis entomologue, je suis scientifique, il y a un espace pour moi. Et donc, lorsque tu vois ton espace ouvert, prends-y place. Donc, je me bats constamment contre le doute de moi-même. Ce matin, quand ce matin, il y a toujours des obstacles, il y a un esprit de collaboration et de reconnaissance qui doit être le nôtre. Et lorsque je dis, je prends le taureau par les cornes, alors je dois dire, il faut, par exemple, je ne voulais pas mettre ma veste, je voulais avoir le trait professionnel, mais je suis plus confortable comme ça, donc je suis dans moi-même. Et voilà, je collabore dans les espaces où je me sens la bienvenue. Je vous remercie de la question. Merci, Francisca. Donc, nous avons un commentaire ici sur le chat de Natalia Palacios. Merci. Merci de cette conversation, de votre opinion qui est si unique et qui a une valeur énorme, invaluable pour nous. Donc, encore une fois, merci Nathalie de vos commentaires. Maintenant, je vais lire une autre question sur Slido qui nous dit, dans ta perspective, que signifie, pourquoi est-il important
temps d'être une femme scientifique en 2024. Comment les femmes libres en sciences, le domaine de la science a changé énormément. Oui, mon opinion est biaisée parce que je suis une femme, bien sûr, mais voilà. Les femmes, on nous attaque dans bien des espaces. Je ne suis pas certaine de savoir pourquoi, mais je suis certaine qu'il nous faut occuper cet espace, qu'il y a une grande injustice quant à l'accès à diverses ressources. Il y a bien des obstacles à surmonter. Donc, dans tous les espaces, les âmes ont des apports si grands à faire en matière scientifique. Et je me sens très reconnaissante à des organisations comme la vôtre, où en tant que femme, j'ai dû livrer un très grand nombre de batailles, mais rien ne me fera m'arrêter dans mon entreprise de défendre les femmes, parce que nous avons de grands apports à faire à la conversation. Et si nous nous restons muettes, nous ne rendrons service à personne. Et lorsque même la route n'est pas toujours claire, il faut l'entreprendre. Il nous faut avoir un engagement, sans crainte, pour montrer sans difficulté, ceci m'a mené vers des espaces qui m'ont ouvert plusieurs portes. Et même lorsqu'on ne m'a pas ouvert les portes, je me présente et je me souviens, j'appartiens ici. Moi, j'ai une place ici que je dois occuper. Je peux un ascenseur et ouvrir la porte pour qu'un plus grand nombre de femmes montent à cet ascenseur avec moi. Surtout les femmes noires, nous avons un esprit de concurrence. Il nous faut devenir plus collaboratrices, partager les ressources pour que les femmes participent de cette coopération pour nous soutenir les unes les autres. Si nous voulons que les femmes, pour que tout aille mieux pour les femmes, arranger, il faut encourager les exploitations tenues par des femmes et aussi faire des apports monétaires, embaucher des femmes lorsqu'il y a lieu de le faire. Je vous remercie de ces conseils qui sont si importants. Maintenant, quel autre conseil pourriez-vous me donner aux institutions, par exemple CIMIT, pour encourager une culture organisationnelle qui donne un plus grand empowerment aux femmes, qui les autonomise? Bon, tout d'abord, écouter les gens, leur demander ce dont ils ont besoin, faire des enquêtes, parce que l'information de la population que nous voulons rejoindre crée un espace sécuritaire pour les femmes et non seulement recevoir des informations, mais aussi la mettre en œuvre. Donc, CIMIT travaille activement dans cette direction en donnant un assessorat. Il faut continuer d'attirer les femmes pour les inviter à prendre la parole pour que les femmes posent des questions aux femmes. Pour ceci, il faut faire des activités de suivi et collaborer avec des organisations qui aient des missions comparables, qui aient des championnes parmi les femmes pour fournir un soutien financier, soutenir leurs exploitations financières et surtout connaître leurs besoins, leurs nécessités pour leur faire parvenir les ressources dont elles ont besoin pour poursuivre leurs activités. Il peut y avoir une pression. Il y a cette façon d'initiative. Croyez-vous que cette pression s'est accrue? Comment gérer la pression qui est exercée contre vous? La pression, oui. Je ne crois pas si à être libre de pression. Je suis devenue plus forte. Covent. Lorsque j'ai commencé un programme au doctorat, il y avait trois femmes qui provenaient d'une entreprise agricole. Donc, j'étais la seule qui ne provenait pas de cette université agricole. Donc, comme un grand nombre de ces pressions peuvent aider
à la communauté. J'ai senti des pressions au cours primaire, au secondaire, partout, dans toute ma vie, mais je suis devenue plus résistante et plus adaptable, capable de gérer toutes ces pressions et apprendre à collaborer avec les personnes impliquées. Donc, les pressions vont s'accroître avec il est capable de travailler dans ses limites, faire en sorte que l'accès devient un luxe. Donc, l'accès limité, la thérapie, une équipe de mentorat et avoir un soutien familial, se servir de tous ces domaines où l'on sent cet équilibre de travail et la vie personnelle. Je sais que nous avons tous besoin de travailler sur ce point. Aux États-Unis, on travaille plus. Il faut savoir parfois dire non. Parce que j'ai terminé mon période de travail, je dois rentrer chez moi. La santé émotionnelle est également très importante. Il faut me battre souvent contre ce genre de pression. Donc, voilà comment je suis devenue beaucoup plus forte. Je vous remercie des conseils. Une toute dernière question. Quel est ton insecte préféré? Quel est ton livre préféré? Je crois que le voyage des mille soleils, les mille soleils, un autre dont le titre est le quatrième. Il faut rechercher, mais c'est un bon livre. C'est pour encourager la pensée stratégique, tous les livres qui sont écrits par Robert Greene, une source d'inspiration, j'ai un blocage, je vous demande pardon. Ah, les quatre accords. Donc, je dois dire que j'aime dire que les Four Agreements, le pouvoir du maintenant, de l'aujourd'hui, l'activité à déployer quotidiennement, et si il faut maintenir nos pensées atterries sur ce point formidable. As-tu quelques commentaires, des conseils? Avant de procéder à la clôture de cette séance, dire le mot « non » est un mot aussi important que le « oui ». Et nous nous disons souvent « non » à nous-mêmes. Et parfois, on a peur des réponses que nous recevrons en disant « non ». Eh bien, non, servez-vous de ce mot pour construire une plateforme, une communauté. Et voilà comment j'ai pu avoir de connaître des académiciens qu'il manquait des ressources nécessaires pour étudier une maîtrise ou un doctorat, par exemple. Donc, nous travaillons sur une COP où je sais que c'est un cliché, mais rien n'est impossible. Donc, si tu capitalises et as une vie meilleure, donc le premier non est celui qui nous indique la voie suivie. Si quelqu'un n'est pas convaincu par tes idées, continue quand même. Insiste à la faire connaître. J'ai un livre à colorier avec des insectes. On me dit, mais quelle idée, comment crois-tu que les gens vont acheter ton livre? Eh bien, voilà, c'est maintenant un best-seller international parce que j'ai su dire non au bon moment. Encore une fois, merci, Mekan, au nom du directeur général de CIMIT, Ron Bram-Govert, et
Rana et Megan, je vous remercie énormément de cette conversation qui nous a semblé si encourageante, rebondissante d'énergie et source de grande inspiration. Merci de nous faire connaître ton parcours professionnel et tu es source d'inspiration pour nous toutes. Et nous tous. Merci du temps que tu nous as consacré. Nous remercions le public aujourd'hui et nous invitons à la prochaine séance de la série Catalysatrice pour le changement, les femmes. Merci. Je souhaite une bonne après-midi à toutes et tous. Dans une commune ville, je n'ai jamais Not until I read about Norman Borlaug, who lived and breathed his mission. Some of his last words were, take it to the farmer. Now consider this. What if our collective mental imagery of the farmer and our imagination of what his, her, or their life should look like is shaping the development agenda? And what if we're perpetuating gender inequality? Are we taking it to all the farmers? Gender determines what a farmer has the right to access: land, labor, inputs, information, credit, technology, markets, machinery, and much, much more. Women and girls face systematic barriers to owning and managing farms, yet they tend to fields planted with varieties they had no control over the development of. Homes, villages, marketplaces are not controlled environments. Every decision, every action that occurs in people's lives happens in a social context. Gender is an inescapable part of this. Hearing similar statements repeatedly is what sparked my own transformation and made me question, how could we completely insulate important life decisions from farmers' lives? We may continue producing varieties that won't get adopted or miss poverty alleviation goals if genetic gains do not translate to equity gains for women and girls. And as much as gender influences the lives of farmers, it influences our lives. If in our own institutions and programs we continue to create barriers for women, how can we expect to remove barriers for women smallholder farmers? Dr. Borlaug's message to take it to the farmer was a wake-up call. But it's increasingly clear that to really fulfill his vision, we need to listen to unheard voices. Women do have voices. To hear them, we have to build bridges between crop improvement and social sciences, between the lab bench and the village bench. We also need to look inside ourselves, to question our assumptions, and to identify our internalized norms around gender, which we project onto our work and the populations we serve. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on April 23rd.